Comment réussir sa piscine à 42 42, c'est une des écoles de code qui est les plus réputées au monde, notamment à cause de son concours, la piscine, qui est connue pour être super difficile. J'ai réussi la piscine de l'école 42 du premier coup, alors que j'avais jamais codé avant de savoir que je voulais rejoindre l'école. Si moi j'ai réussi, vous pouvez y arriver aussi. Dans cette vidéo, vous allez retrouver des conseils que vous avez sûrement déjà vu ailleurs, notamment dans la première partie qui va parler de comment se préparer à l'école. Mais je vais aussi vous donner des conseils que j'ai vu nulle part ailleurs et qui, moi, m'ont trop aidé pendant la piscine, notamment dans la deuxième et la troisième partie qui vont vous parler de comment faire sur place pour gérer au max et comment faire pour se débrouiller au mieux avec la charge de travail incroyable que 42 va vous envoyer dans la gueule. Mais alors, comment on fait pour se préparer pour le concours de la piscine de l'école 42 Déjà là, vous êtes en train de le faire, et c'est le premier conseil que j'ai à vous donner, conditionnez-vous à mort. Je veux que vous souliez tous vos potes avec ces histoires de piscine. Parce qu'il y a des jours à la piscine qui vont être très compliqués et dans ces moments-là, vous aurez vraiment besoin d'un max de détermination. Quand moi j'ai passé la piscine, au bout de la première semaine, la moitié des gens ont abandonné. Ensuite préparez-vous sur les notions que vous allez voir à 42. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre à utiliser un invite de commande. Vous, quand vous utilisez votre ordinateur, vous utilisez votre souris pour cliquer sur des petits trucs et tout, c'est ce qu'on appelle l'interface graphique de l'ordi. Mais avant d'avoir toutes ces petites merveilles, on utilisait des lignes de commande pour se balader dans un ordi et aujourd'hui les devs les utilisent toujours parce qu'en fait c'est un outil qui est super puissant. Donc voilà, apprenez à maîtriser ça parce qu'à 42, on n'utilise que ça. Donc si vous arrivez en sachant déjà utiliser ça, vous aurez un énorme avantage par rapport aux autres. Apprenez les lignes de commande et apprenez à utiliser un éditeur en ligne de commande. Il y en a deux qui sont super connus, Vim ou Emacs. Moi perso je suis Team Vim, mais après je vous laisse découvrir lequel est le meilleur pour vous. Et croyez-moi, tout ça, ça peut vous servir plus tard dans votre vie de développeur. Moi, aujourd'hui, dans mon taf, j'utilise le mode Vim sur mon éditeur de texte et ça me permet de gagner énormément de temps parce qu'il y a plein de raccourcis dedans et c'est maxi pratique. Ensuite, renseignez-vous sur Git, c'est l'outil qui va vraiment vous permettre de sauvegarder votre travail et donc vous éviter peut-être une catastrophe où tout est perdu. Mais aussi d'envoyer votre travail sur le serveur pour qu'il puisse être corrigé par d'autres élèves. Donc, c'est vraiment un truc super important. C'est peu ragoûtant. Moi, dans mon métier, je bosse avec beaucoup de gens qui ne savent pas s'en servir et ça leur fait perdre un temps fou. Donc, apprendre à utiliser Git, ça va vous servir pour la piscine, mais ça va vous servir dans toute votre carrière à l'avenir. Et enfin, la piscine, c'est bien connu, c'est une piscine qui est en langage C. Donc, je vous invite à apprendre le C. Perso, moi j'avais appris le C avec le cours d'open classroom que je trouve super bien, donc je vous invite à suivre le même. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, moi je vous conseille surtout d'aller jusqu'à l'allocation dynamique, parce que c'est une notion qui est super importante et que les gens galèrent de ouf à comprendre à l'école. Du coup, si ça, vous l'avez déjà, vous êtes bien. Sur place, comment faire pour se débrouiller au mieux Mon premier conseil, c'est de ne pas paniquer. Le premier jour, quand vous allez arriver dans l'école, vous allez être accueilli par des rangées d'ordinateurs qui ont toutes le même fond d'écran. Dont, panique. C'est le seul... Conseil. La seule petite aide que 42 va vous donner et c'est super précieux. À 42, la panique, elle est jamais loin. Déjà, votre cerveau ne va voir que les gens qui sont meilleurs que vous. Oui, il y en a qui sont super chauds, qui sont câblés pour ça et qui comprennent tout du premier coup, mais dites-vous bien que ça, c'est vraiment une minorité des gens qui passent la piscine. Le reste, ils galèrent comme vous, c'est promis. Ensuite, 42 va vous mettre 0 tout le temps et c'est absolument pas un problème. Avoir 0, c'est pas une fatalité, ça veut juste dire que vous avez pas tout compris et c'est vraiment l'opportunité de comprendre une notion à fond. Si ton code, il fonctionne du premier coup, ça veut dire qu'il y a une couille monstrueuse que t'as pas vu passer. Sur place, vous allez vous retrouver bloqué, c'est normal. Dès que ça vous arrive, demandez de l'aide autour de vous. Tous nos cerveaux fonctionnent différemment. Un truc qui est facile pour moi va être super compliqué pour mon voisin et inversement, donc vous n'hésitez pas à demander de l'aide. Un jour, vous pourrez le rendre à d'autres personnes. Et on arrive au conseil suivant aider tout le monde. Déjà, parce que le concours de l'école valorise ça énormément. Dites-vous bien que s'il y a un mec qui est premier de la piscine, qui est vraiment le meilleur côté tech, qui n'aide personne, il sera jamais pris. Tout simplement parce qu'à la fin de chaque semaine, il faut voter pour des personnes qui vous ont aidé. Pas de vote, pas d'admission. Ça, moi, je le savais déjà quand j'ai passé ma piscine. Et du coup, ce que j'ai fait les premiers jours, c'est que dès que j'avais une info, je me baladais dans toutes les rangées, je regardais un peu ce que faisaient les gens et j'aidais tous ceux qui étaient perdus. Ça m'a fait kiffer. Moi, ça me faisait des pauses dans mon code, en fait, parce que bah, rien que le fait d'aider des gens, ça permet d'avoir des interactions super cool où tu es en train d'apporter une solution à quelqu'un. Donc vraiment, c'est hyper gratifiant. Et surtout on va vous le rendre. Moi j'ai aidé des gens que je pensais éclater et qui m'ont sauvé la vie deux semaines plus tard, donc vraiment n'hésitez pas à aider. Ce conseil-là, il va vous permettre de rencontrer plein de gens et il va vous aider pour le conseil suivant. Entourez-vous bien. Entourez-vous bien, ça ne veut pas dire de s'entourer des meilleurs, mais ça veut dire de s'entourer de gens qui bossent. Parce que pendant le concours, vous allez voir des personnes qui sont en permanence en pause et eux, ils ne seront pas pris. C'est cool, ça fait des gens à retrouver quand on a envie de faire une pause, mais c'est vraiment pas la bonne strate si vous voulez rentrer dans l'école. Et entourez-vous de gens qui ont votre niveau. Ça sert à rien d'être entouré des meilleurs. Le danger, ce serait qu'ils vous aident et qu'ils fassent tout à votre place. Et pendant les examens qui sont solos, vous aurez zéro. Et avec des zéros aux examens, on rentre pas à l'école. En plus, ça risque de vous faire croire que vous êtes nul, alors que pas du tout. Moi, pendant ma piscine, très vite, je suis devenue pote avec un retryer. C'est le petit sobriquet qu'on donne aux gens qui passent la piscine pour la deuxième fois ou plus. Et ça m'a aidé de ouf. Parce qu'à 42, il y a des pièges qu'il faut éviter. Et être pote avec quelqu'un qui a déjà vu tout ça, ça peut vraiment vous aider. Avant dernier conseil, dormez. J'ai vu des gens qui faisaient des nuits blanches parce qu'ils voulaient à tout prix comprendre quelque chose avant de s'endormir, ça sert à rien, vous allez vous cramer, vous allez emmagasiner une dette de sommeil et ça c'est irratrapable sur un mois, c'est impossible. Vous avez besoin tous les jours d'avoir un cerveau frais pour pouvoir donner le max parce que tous les jours, il y a des nouveaux trucs à apprendre. Moi ça m'est arrivé plein de fois de vouloir rester jusqu'à 23 heures pour comprendre un truc et tout mais il faut surtout pas faire ça. Calculez quel est votre temps de sommeil nécessaire et assurez-vous de l'avoir tous les jours. Moi, j'ai besoin de 8 heures. J'ai dormi 8 heures tous les soirs du concours et vraiment, j'étais au top chaque jour. Vous savez, quand on est petit, nos parents, ils nous disent souvent de lire les cours avant de s'endormir pour bien s'en souvenir le lendemain. Parce que le cerveau travaille pendant la nuit, gna gna gna. Moi, j'y ai jamais cru à ce truc-là, je l'ai jamais fait. À 42, je me suis pris une de ces claques. Ça m'est arrivé plusieurs fois de quitter l'école super vénère parce qu'il y avait un truc que j'arrivais pas à comprendre. Le soir, je rentrais chez moi, je boudais toute la soirée, puis j'allais me coucher. Et combien de fois dans la nuit, j'ai rêvé de la solution le jour, j'ai foncé à l'école, j'ai testé, ça fonctionnait direct, j'avais capté. Ça m'est aussi arrivé de ne pas rêver de la solution, mais d'avoir la réponse comme un éclair de génie au réveil le lendemain. Donc vraiment, dormez bien, c'est super important. Et dernier conseil, ne faites que ça. Ne faites que ça déjà parce que chaque seconde est comptée, chaque minute que vous passez à ne pas coder est utilisée par les autres, donc creusez un écart entre vous et les autres. Mais aussi parce que plus vous faites que ça, plus votre cerveau va comprendre que c'est important de comprendre ce qui se passe en ce moment et plus il va vous balancer les réponses pendant la nuit. Comment gérer la charge de travail à 42 je vais commencer par vous introduire vite fait comment ça fonctionne, comme ça vous pourrez mieux comprendre les conseils qui vont suivre. 42, comment ça se passe, c'est qu'en fait tous les jours on reçoit une feuille d'exercice avec plein d'exos dessus. Il y en a trop exprès. Le but de l'école, c'est d'être sûr que vous allez vous entraider entre vous. Donc on donne trop de travail pour une personne pour être sûr que les gens s'entraident. C'est pas de la triche, ça fait vraiment partie du système de l'école. Une fois que vous y serez, il n'y aura pas de prof, donc l'école elle veut à tout prix des gens qui sont capables de s'entraider. Sinon le système ne fonctionne pas. Chaque fois que vous avez fini une feuille d'exercice, vous allez vous faire corriger par d'autres personnes qui passent le concours et le score que vous allez obtenir va vous rapporter un certain nombre de points d'expérience qui vont vous permettre de gagner des niveaux. Vous allez voir l'interface de l'école pour ça, elle est trop cool, on a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Outre ces feuilles d'exo qu'on reçoit tous les jours, le vendredi, il y a un examen qu'on appelle l'examen machine et c'est le seul moment du concours où vous êtes seul derrière votre ordinateur. Ça veut aussi dire que c'est le seul moment où 42 peut être sûr que ce que vous faites, vous êtes le seul à le faire, que personne vous aide parce que croyez-moi, c'est impossible de tricher pendant ces examens. Tous les week-ends, on n'a pas d'énormes feuilles d'exo qui sont distribuées, on a deux projets qu'on nous propose de faire, un projet de groupe et un projet solo. Ces deux projets, ils sont top parce qu'ils ramènent énormément d'expérience. Mais en vrai, ce sont aussi des pièges. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. Comment gérer la charge de travail Premièrement, faites-vous corriger au fur et à mesure. C'est comme ça que l'école enregistre vos résultats. Vous vous faites corriger par des étudiants et vous devez corriger des étudiants. J'ai vu beaucoup de personnes qui essayaient de faire un maximum de jours et qui se disaient "Bah, je me ferai corriger plus tard." Ne faites surtout pas ça. Déjà parce que quand vous pensez que vous avez fini et que vous vous faites corriger, la plupart du temps vous vous tapez zéro. Les gens qui réussissent leur jour du premier coup, c'est super rare, donc vraiment attendez-vous à vous foirer et prenez le temps. Faites-vous corriger au fur et à mesure, c'est super important. En plus les derniers jours tout le monde est dans les révisions, donc plus personne ne corrige et donc vous trouverez personne pour vous aider à rendre votre travail. Mon deuxième conseil pour bien gérer la charge de travail à 42, c'est d'être à jour dans vos days. Le day c'est donc la feuille d'exercice que vous allez recevoir tous les jours. Et c'est super important qu'au jour 5, vous en soyez au D5. Parce qu'à la fin de la semaine, l'examen, il porte sur toutes les notions que vous avez vues jusque-là. Donc si vous maîtrisez à fond les deux premiers jours, mais que vous ne maîtrisez pas les trois derniers, vous allez vous manger des zéros à la peine. Vous verrez en fonction de comment vous vous débrouillez. Mais moi, j'étais pas une des meilleures. Du coup, ma stratégie, c'était de faire un peu plus de la moitié des exos de la journée. Le nécessaire tout pile pour valider, et ensuite je passais à la suite. En tout, j'ai pas eu les meilleurs scores de ma piscine, mais en examen, j'avais les meilleures notes parce que j'étais toujours à jour. Ce conseil-là, il vaut particulièrement pour les deux premiers jours qui sont du shell. Je suis à peu près convaincu que ces jours servent surtout à vous faire paniquer et à vous faire abandonner parce que vous n'allez jamais vous en servir dans les examens. Tant que vous connaissez les bases du shell, vous êtes bon vraiment. Vous attardez pas là-dessus. Il faut juste les valider, ces jours, et passer à la suite. Après, si vous êtes bon et que ça vous éclate, franchement, faites-les tous. N'hésitez pas. Mais si, comme moi, vous êtes pas hyper sûr de vous. Je vous conseille de sécuriser le tout. Pour être à jour, donc, je vous conseille de pas aller jusqu'au bout de vos feuilles d'exo, mais je vous conseille aussi de profiter des week-ends pour rattraper d'éventuels retards. Les week-ends, comme je vous le disais, il y a deux projets qui sont à rendre, et ces projets y rapportent énormément d'expérience. Et c'est ça le piège. Les gens, ils vont vouloir se focaliser là-dessus, limite essayer de les préparer à l'avant. Mais le truc avec ces exos, c'est que c'est quasiment impossible de les valider. Retenez bien que pendant la soutenance des projets de groupe, vous aurez tous la note du moins bon du groupe. Donc si t'es en duo avec un mec qui connaît rien, que tu travailles de fou et que tu rends un truc nickel, et que l'examinateur se rend compte, t'auras zéro. Moi, j'ai eu zéro à mes projets de groupe parce qu'on les avait foutus dans le mauvais dossier. Et ça paraît, ça pardonne pas. Donc vraiment. C'est cool de les faire, si vous arrivez à les valider, c'est génial, mais si jamais vous avez du retard dans vos days, alors je vous conseille en priorité de rattraper ces retards avant d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre. On a fait le tour de tous les conseils que j'avais à vous donner pour réussir la piscine 42. Surtout, n'oubliez pas le premier conseil. Conditionnez-vous à mort, regardez plein de vidéos sur le sujet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la, envoyez-la à tout le monde. Soulez vos potes avec 42, on a dit. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos à ce propos, surtout n'hésitez pas, je pourrais vous raconter ma piscine ou comment ça se passe une fois qu'on est étudiant dans l'école. Et surtout si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, n'hésitez pas. Moi, l'école 42, c'est une école que j'adore et si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à la rejoindre, mais je serai l'humain le plus heureux du monde.